Aujourd'hui, c'est cours de français pour Agathe. Si c'est les rivières que l'homme harcèle, ES. Antoine fait de la géométrie et Claire de la lecture. Dans cette famille, toute l'instruction se fait à la maison depuis 6 ans. Cours formel le matin, activité extrascolaire l'après-midi, les enfants ont adopté ce système. L'école à la maison, ça m'a permis de me déployer, de m'ouvrir de nouvelles portes. Ça m'aide beaucoup plus à m'épanouir parce que avant, à l'école, je pense que j'étais beaucoup moins bien. C'est Marion, leur maman, qui dispense les cours. Elle se dit outrée par le projet de loi qui pourrait mettre fin à l'instruction à domicile. Ça a été insupportable. Le discours du président ne nous a semblé vraiment pas juste. On n'est pas du tout pour la très grande majorité des familles en dehors des valeurs de la République. Dans ce foyer aussi, on pratique l'école en famille depuis 7 ans. Ça me permet de plus avoir de temps pour approfondir des choses et bien les comprendre. Alors même si le gouvernement promet des dérogations à certaines familles, le projet de loi inquiète. Les dérogations, nous on est vraiment contre parce que ça veut dire que demain, sur une notion de classe sociale, de diplôme des parents, je suis désolée de le dire, mais voilà, de faciès, il pourrait y avoir un choix qui est complètement arbitraire. Pour le moment, chaque foyer qui pratique l'école à la maison est soumis à des inspections surprises de l'Éducation nationale au moins une fois par an.